Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Gamer du Midi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur Sea of Thieves. Alors ça fait quelques temps que je n'ai pas pu sortir de vidéo, en effet j'ai eu un petit peu moins de temps IRL ces derniers temps, donc si vous voulez me retrouver plus régulièrement, surtout n'hésitez pas à venir nous voir en stream live tous les jours du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch Gamer du Midi. Je vous mets bien sûr le lien vers cette chaîne en description de la vidéo. Je profite également de ce petit instant promo pour vous parler de mon nouveau partenariat avec Instant Gaming. Si vous avez besoin, envie d'acheter un jeu vidéo via la plateforme Instant Gaming, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais également vous mettre en description de la vidéo, avec lequel vous allez pouvoir soutenir la chaîne, et ça me ferait extrêmement plaisir, je vous en remercie. Évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher des pouces, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux, on est maintenant 400 sur la chaîne YouTube, on est près de 300 sur la chaîne Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir régulièrement, et ça me fait vraiment, vraiment très, très plaisir, et je voulais vous dire un gros merci là-dessus ce midi. On passe tout de suite maintenant au vif du sujet, à la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, et ce pourquoi vous êtes là, j'imagine. Je vais vous parler aujourd'hui des boulets de canon, des différents types de boulets de canon et de leurs effets. Vous allez en effet pouvoir, durant cette vidéo, voir les effets de tous les boulets en direct sur moi, et oui, j'ai trouvé un acolyte qui n'a pas hésité longtemps pour me tirer des boulets dans la tronche. Vous allez voir les boulets normaux, les boulets spéciaux, je vous en parle un peu plus en détail, c'est parti. Dans Sea of Thieves, vous retrouverez plusieurs types de boulets que je classe dans un premier temps en deux grandes catégories. Vous avez les boulets classiques, donc vous avez les boulets noirs, les boulets chaînés, les boulets du chaos et les boulets incendiaires. Ces boulets-là sont vraiment les boulets les plus répandus dans l'univers SOT. Vous les retrouverez dans tous les tonneaux, les caisses de stockage et tous les endroits habituels de supply. C'est également ceux qui sont à disposition dès le départ dans votre bateau. Une petite quantité. Je vous invite donc bien évidemment au début de chaque session à recharger votre bateau avec tous ces boulets pour partir sur une bonne session et de bonnes bases. La deuxième catégorie, ce sont les boulets spéciaux, les boulets enchantés, les boulets maudits, comme vous voulez, ils ont plusieurs appellations. Moi, je les appellerais plutôt les boulets spéciaux, qui sont les boulets de couleur, comme celui-ci, vert et violet. Vous aurez les verts et les violets. Les boulets verts impactant directement le joueur, ayant un effet négatif sur le joueur, et les boulets violets ayant un effet directement sur le navire du joueur. Voilà. On va bien sûr voir en détail chacun de ces boulets, vous verrez, il y en a pas mal quand même. On va tous les détailler, on va tous les décrire, et surtout vous allez voir l'effet qu'ils ont sur le bateau quand ils sont tirés. Alors bien sûr, vous pensez peut-être que je vais vous expliquer comment réussir à mieux tirer avec vos canons, etc., etc., dans cette vidéo. Malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué. Apprendre à tirer au canon, il n'y a pas réellement de bons conseils. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il n'y a pas réellement de magie, il n'y a pas vraiment de tricks, de tips pour réussir à bien viser au canon, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. La vélocité du bateau, le sens du vent, la vitesse de votre adversaire, la distance, bien évidemment, le type de bateau. Ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres, et donc, à part beaucoup d'expérience et beaucoup d'entraînement, malheureusement, je ne peux pas vous donner de tuyaux magiques pour apprendre à mieux tirer au canon. Donc, entraînez-vous, 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 entraînez-vous. Un bon conseil que je peux vous donner quand même, quand vous prenez un bateau, choisissez un type de canon. Je parle au niveau du skin. Choisissez-vous un skin de canon. Pour ma part, j'utilise les canons de base. Je n'utilise que les canons d'origine des bateaux, et ce, pour tout les navires, sloop, brigantin ou galion. J'utilise que ces canons-là, les canons de base. Je trouve que ce sont vraiment les meilleurs, en tout cas c'est ceux que moi je préfère, parce que j'y suis habitué. Si vous préférez un autre style de canon, adoptez-le et n'en changez pas. Gardez-le, habituez-vous. Il y a ce qu'on appelle la mémoire physique qui va faire que vous allez automatiquement apprendre à viser avec les canons. À la fin, vous regarderez même plus l'angle ou la hauteur à laquelle vous devez tirer, ça sera naturel. Et donc, ça, c'est important, je trouve, pour commencer, d'avoir toujours le même type de canon. Ça vous permet d'avoir des repères fixes à chaque fois que vous aurez à utiliser les canons. Tous ces boulets, donc, sont faits pour être utilisés, bien sûr, dans les canons.
Je vous rappelle juste quand même comment est-ce que ça se passe. Bon, même si ça, je pense que vous les êtes au courant. Quand vous êtes sur un canon, vous appuyez sur la touche R de votre clavier pour charger le boulet de canon en question. R pour décharger. Et si vous voulez changer de type de boulet, il faudra ouvrir la roue d'action en appuyant sur la touche A. Choisir le type de boulet que vous voulez charger. Par exemple, là, je vais prendre les boulets chaînés. Et je vais appuyer sur la touche R. Et voyez qu'en bas, c'est noté boulet chaîné. Si je charge ici, on voit bien que j'ai chargé un boulet chaîné. Il existe deux boulets que vous pourrez également charger dans vos canons, bien sûr, mais aussi lancer à la main. Ce sont le boulet incendiaire et le boulet du chaos. Ces deux types de boulets, en appuyant sur la touche C, vous pourrez les équiper. Vous voyez, en appuyant sur la touche C de façon répétée, vous allez alterner entre les boulets du chaos et les boulets enflammés. Tout simplement, une fois que vous l'avez en main, bah, il suffit de cliquer hein, pour le lancer. Hein, je vous apprends rien de magique. Et vous allez pouvoir donc lancer ça sur vos adversaires en combat rapproché. Allez, je sais que c'est le moment que vous attendez le plus. On va tout de suite passer au plus croustillant, le moment où je me prends des boulets dans la tronche. On va pas se mentir, c'est le moment le plus sympa. On va commencer de suite avec les premiers effets sur un boulet de canon normal, un boulet de canon noir. Vous allez voir l'effet que ça fait sur un bateau. Quand tu veux, check pour le boulet noir. Ok, on a eu un boulet noir qui nous a fait un trou, qui va remplir le bateau petit à petit. Là, il est en hauteur, s'il était en dessous, il remplirait plus vite. Et vous allez voir, maintenant, je vais commencer à réparer. Et check va nous envoyer un boulet du chaos pour voir l'effet que ça produit sur une réparation. Voilà, la réparation est cut instantanément, donc je vous conseille vivement, lorsque vous voulez empêcher votre adversaire de réparer, d'envoyer pas mal de trous au boulet noir et d'enchaîner sur un boulet du chaos pour les empêcher de réparer. On va voir maintenant l'effet d'un boulet incendiaire qui va mettre le feu au navire. Alors en réalité, c'est pas très handicapant une fois qu'on a évincé la panique qu'il engendre. C'est plus un problème psychologique, vous avez le feu partout, ça vous met la panique. En réalité, ça fait très peu de dommages au bateau et pas beaucoup de dommages aux joueurs. C'est parti, boulet incendiaire! Voilà, donc vous voyez, un boulet incendiaire, ça va mettre le feu à un endroit bien précis du bateau. Votre joueur va commencer à tousser. Si vous ne vous en occupez pas, le feu va se propager. Donc le but, c'est quand même d'essayer de l'éteindre assez rapidement. Mais si vous avez d'autres choses à faire, c'est pas forcément la priorité. Vous pouvez laisser le feu quelques instants et boucher des trous ou tirer sur votre adversaire. Voilà, le feu, c'est vraiment le dernier truc sur lequel il faut se focaliser. Alors, on va voir maintenant l'un des boulets les plus efficaces lorsque vous serez en navigation pour contrer les joueurs adverses et surtout pour les immobiliser, c'est le boulet chaîné. Le boulet chaîné, il faudra le tirer bien en hauteur et surtout viser le mât adverse afin d'essayer de le faire tomber. Normalement, avec un seul boulet chaîné, vous pouvez faire tomber un mât. Démonstration. Vas-y, tu peux y aller, check. Voilà, un boulet chaîné. Le mât tombe instantanément et vous voyez que la voile qui était baissée se relève. Petite astuce avec vos boulets chaînés. Lorsque vous êtes sur le navire d'un adversaire, vous pouvez charger un boulet chaîné. Vous assurez que le mât est exactement dans cette position-là, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Vous levez le canon à la verticale et vous tirez le chaîné. Et là, ça va instantanément casser le mât de votre adversaire. C'est un tip qui est vraiment utile quand vous avez réussi à nettoyer, on va dire, le navire adverse. Il vous reste quelques secondes à tuer en attendant le reste de vos adversaires. Vous faites ça et vous êtes tranquille, ils sont pas prêts de repartir. Maintenant qu'on a vu les boulets, entre guillemets, classiques, ceux que vous trouverez qui sont le plus répandus dans les barils de supply sur les mers de SOT, je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle les boulets spéciaux et les effets qu'ils ont sur vous quand vous êtes à bord. On va commencer par le boulet qui s'appelle le boulet de cabestan, qui va en réalité vous dropper l'ancre. C'est également très puissant. Quand tu veux.
Vous voyez l'encre instantanément posée et vous avez une fumée violette qui persiste autour de votre cabestan pour vous indiquer que vous venez de prendre un boulet spécial, un boulet magique qui va faire tomber automatiquement l'encre. Il faudra alors donc bien sûr la relever au plus vite si vous voulez reprendre la mer. Deuxième boulet spécial, deuxième boulet magique, le boulet d'affalage. Celui-ci va en réalité vous affaler les voiles, ce qu'on appelle affaler les voiles, c'est remonter les voiles, donc enlever la voilure de votre navire, et donc forcément vous faire perdre le temps, déjà vous faire perdre votre vitesse, et puis vous faire perdre le temps de rebaisser toutes les voiles. Alors sur un sloop, il n'y en a qu'une, sur un galion, c'est pas la même rigolade. Quand tu veux. Voilà, instantanément, vous voyez toujours le même petit effet de volute violette autour des voiles qui indique que vous venez de prendre un boulet magique, un boulet spécial qui vous remonte les voiles. Il suffira à ce moment-là, tout simplement, de les rebaisser, mais néanmoins, vous aurez déjà perdu beaucoup de vitesse et pas mal de temps. Prochain boulet spécial que je vais vous présenter, c'est le boulet dépouilleur. Le boulet dépouilleur, il va vous condamner vos tonneaux, vos barils de supply pour vous ravitailler soit en boulet, soit en nourriture et en planche. Donc là, vous voyez que mon inventaire est vide. On va faire un test tout de suite. Je vais demander à Check de nous envoyer un boulet dépouilleur et vous allez voir que je ne pourrai pas toucher au tonneau de ravitaillement. Ok, quand tu veux. Voilà, les tonneaux. Et là, j'appuie sur la touche d'action. Impossible d'ouvrir un seul tonneau. Je peux pas du tout me ravitailler. C'est extrêmement pénalisant parce que du coup, vous pouvez pas récupérer vos boulets. Voilà. Après, ça disparaît, bien sûr. Hein. C'est pas infini. Mais vous avez quand même, durant plusieurs secondes, l'impossibilité de récupérer du supply dans vos tonneaux. On va voir maintenant un boulet qui a un effet non pas sur le navire, mais un effet sur l'équipage. La couleur de ce boulet d'ailleurs est vert, ainsi que plusieurs autres boulets qui eux-mêmes agissent sur l'équipage. Tous les boulets violets agissent sur le bateau, tous les boulets verts agissent sur l'équipage. Le boulet qu'on va voir tout de suite, c'est le boulet de torpeur. Quand tu veux. Voilà, le boulet de torpeur endort votre équipage. Vous êtes endormi, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes réveillé, bien sûr, au bout de quelques secondes. Néanmoins, vous voyez que c'est très efficace lorsque vous avez tout un équipage endormi et que les autres sont en train de tirer à boulet rouge sur la coque du bateau. Les quelques secondes grattées, grappillées sont... On va maintenant voir les effets du boulet de grog. Vous allez subir les effets de l'ivresse et peut-être un petit peu plus si affinité. Quand tu veux, check. Voilà, donc la fumée verte et voilà, vomi, l'écran se trouble, très difficile de se déplacer. On peut essayer de tirer, mais alors franchement, vous avez vu l'idée, c'est improbable. On peut sortir une arme, voilà, l'effet se dissipe relativement rapidement, mais le temps que ça vous fasse vomir partout, pour un peu que vous vomissiez sur vos coéquipiers, ça va leur en foutre plein la gueule, c'est un boulet super efficace et très drôle, hein, faut se l'avouer. On va maintenant voir les effets du boulet de claudication, c'est celui qui vous casse les deux jambes en réalité, vous allez voir, on va se mettre à boiter et être... ralenti dans nos déplacements. Je vais vous montrer ça depuis la cale pour que vous voyez le temps qu'il faut pour remonter, par exemple avec un seau d'eau. Quand tu veux, check. Voilà. Et là, je boite. Et là, je boite. Et là, je boite. Et là, je boite. Et c'est super long pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, et ça dure longtemps. Hein. Pour redescendre à la cale, c'est extrêmement lent. Extrêmement long, vous voyez, s'il fallait écoper ou s'il fallait réparer. Normalement, voilà le trajet normal, voilà comment il se fait. Vous avez vu la différence avec le boulet de jambes cassées ? Claudication, voilà ce que ça donne. On va maintenant voir les effets du boulet dansant. Donc c'est un boulet d'attitude qui va vous... C'est un boulet qui va vous obliger à danser alors que vous êtes en train de faire autre chose. Vous allez voir, c'est très très handicapant. Il y a un trou juste ici. Je vais commencer à le réparer et Check va nous tirer le boulet dansant pendant la réparation.
Et voilà, la danse de Saint-Guy, impossible de réparer, impossible de bouger, je peux rien faire. Je suis bloqué et ça dure longtemps. Bon, une fois que l'effet est terminé, je peux reprendre mes activités totalement normalement, mais vous avez vu que ce boulet dansant vous handicape quand même un sacré moment. Et ça vous touche bien sûr vous ainsi que tout l'équipage. Hein. On va maintenant voir le boulet de gouvernail, qui lui est un boulet qui impacte votre navire. Donc il va jouer bien sûr comme son nom l'indique sur le gouvernail. Vous voyez que là on peut bien sûr tourner la barre normalement. Et dès que le boulet sera tiré, ça va limiter énormément la rotation de la barre. Je vous montre ça tout de suite. C'est ok, tu peux tirer, check. Voilà, boulet de gouvernail. Hop, barre bloquée. Hop, barre bloquée. Je peux pas aller plus loin. J'ai un quart de tour à peine. Vous voyez ? Ça dure aussi assez longtemps. Donc si vous avez des manœuvres à faire ou autre, si vous devez éviter un keg, c'est raté. Hein ? Ça handicape quand même pas mal l'adversaire. Ouais. Une fois que l'effet s'estompe, bien sûr, la fumée disparaît et on retrouve l'amplitude complète de la barre. On va maintenant tester le boulet de paix. Comme son nom l'indique, comme sa description l'indique, ça permet de désactiver les canons et demi. Vous allez voir l'effet que ça fait sur nos canons. Donc là, je suis au canon et voilà. Je lâche automatiquement le canon. Les canons sont tous relevés, donc sur un galion ou un sloop, peu importe, tous les canons restent tout droit et vous pouvez plus les toucher le temps de l'effet du boulet. Une fois que l'effet est estompé, vos canons restent néanmoins tout droit, donc il faudra quand même les reprendre et les remettre à la bonne hauteur. Autant vous dire que là sur un sloop c'est vite fait, mais sur un galion ça vous fait quand même 8 canons à replacer. Bien sûr vous avez plus d'équipage, mais néanmoins il faudra replacer tous vos canons à la bonne hauteur. On va maintenant voir l'effet du boulet de poison sur l'équipage. Et voilà, je suis empoisonné comme si un serpent m'avait croqué, donc du coup je perds de la vie, et vous voyez l'écran devient violet, je perds un tout petit peu de vie, et ce, sur plusieurs secondes, le temps que l'effet s'estompe tout seul. Voilà, j'ai perdu un quart de ma vie. On va maintenant voir l'effet d'un boulet de lest sur le navire. Alors c'est pas le plus parlant sur un sloop, c'est bien sûr bien plus efficace sur un galion. Que va faire le boulet de lest? Il va littéralement faire baisser la ligne de flottaison de votre navire, concrètement le faire couler. Donc sur un navire à deux cales, ça va être beaucoup plus parlant. Je vais quand même vous faire le test sur le sloop, vous allez voir ce que ça donne. On va tirer deux boulets de canon à l'arrière du sloop, à peu près par ici. Vous allez voir que ça prend pas de l'eau, et avec le boulet de lest derrière, vous allez voir que le bateau va plonger littéralement, et donc ça va augmenter le remplissage du bateau. Ok, un boulet. Et deux boulets. Vous voyez que là, ça prend un peu l'eau, mais pas plus que ça. Vas-y, on voit l'est. Vous voyez que le bateau a littéralement plongé. Et vous voyez que là, le remplissage est beaucoup plus intense et que mon bateau est littéralement presque déjà sous l'eau. Hein, vous voyez ? Alors, sur un sloop, ça se voit vraiment moins. Hein. J'insiste sur le fait que ça se voit vraiment moins. C'est pas autant efficace que sur un galion. Sur un galion, si vous avez la cale supérieure entièrement trouée, aucun trou en dessous et qu'on vous met un lest, vous coulez quasiment instantanément avec la cale supérieure. Hein. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, vous savez maintenant absolument tout sur les boulets et leurs effets. Je vous dis à très vite sur les mers de SOT, rendez-vous tous les midis comme d'habitude sur Twitch, je vous fais des gros bisous, ciao!